Salut à tous, j'espère que vous allez bien comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire. Comme vous le voyez à mon écran, le club Fortnite du mois de juin est enfin disponible. Donc le pack Mecha Câlineuse. Donc qu'est-ce qu'on a dans ce petit pack? On a la Mecha Câlineuse faite des câlins à travers l'espace-temps. On a son sac à dos, le nœud psytronique. On a la pioche Fusio Câlin. Le revêtement Mecha Câlin et ensuite on a les quatre écrans de chargement qui étaient promis pour ceux qui ont dès à présent le Club Fortnite. Alors il faut savoir que ces quatre écrans de chargement étaient offerts tout le long de la saison pour ceux qui étaient présents. Donc normalement si vous étiez là, ces quatre écrans de chargement, vous les avez, que vous ayez le pack Club Fortnite ou non. Mais en tout cas, ceux qui les ont ratés, si vous achetez le pack Club Fortnite, eh bien, vous les recevez directement gratuitement. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse dans la vidéo, puisque je vous avais déjà fait une vidéo sur ce petit pack Club Fortnite, puisqu'on avait eu déjà des leaks. Et dans la dernière vidéo que je vous affiche à l'écran, j'avais répondu à pas mal de questions que vous pourriez me poser sous les commentaires de cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas tout de même à les poser, j'y répondrai. Mais en tout cas, la plupart des questions qui sont posées, j'y ai répondu dans la vidéo. Voici le nouveau pack mensuel, donc Mecha Câlineuse, de la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à checker si vous avez des petites questions. J'ai certainement déjà répondu. Et en plus, je vous ai donné beaucoup plus d'informations que je vais donner sur cette vidéo, puisque cette vidéo est une vidéo présentation du pack. Et du coup, je vais vous donner également mon avis. Du coup, on se retrouve directement dans le casier pour découvrir d'un petit peu plus près le pack et son ensemble. Comme d'habitude, vous retrouverez le gameplay du skin et l'ensemble également à la fin de l'outro. Donc je ne parlerai pas, je vous laisserai ça en musique. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent directement checker le gameplay, il se trouve à la fin de la vidéo. Donc on commence tout de suite par le skin qui a trois variantes Mecha Câlineuse. Donc en rose, donc elle est ultra stylée. Ensuite en noir Mecha Câlineuse minuit. Donc là honnêtement je vous le dis direct, c'est la variante que je préfère. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars quelle variante vous préférez dès qu'on les aura toutes découvertes. Et la dernière variante c'est Mecha Câlineuse royale en blanc et or. Elle est vachement stylée aussi. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les gars quelle variante vous préférez, la rose, la noire ou bien la blanc, donc la version royale. Ensuite, on passe directement au sac à dos, le nœud psytronique, qui a également la variante rose, la variante noire et la variante royale, donc en blanc. Et on a aussi du petit rouge. Donc là, on peut voir qu'on a une petite boule de cristal sur chacun des sacs, ça ne change pas, avec des petits cœurs. Et enfin, on a la pioche Fusio Câlin, qui a également les trois variantes, donc en rose, en noir et en blanc. Donc franchement, ultra stylé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ils sont là pour ça. Et enfin, on a les petits revêtements qu'on peut voir juste ici. Donc pour le bateau, donc tout ce qui est véhicule, voiture, etc. L'ascar, on a pour le pompe, donc franchement stylé aussi. L'APM, le sniper, le pistolet et le roquette. Alors ce qui est dommage, et vous me direz dans les commentaires si vous pensez pareil, c'est que on a trois variantes sur l'ensemble complet. Donc rose, noir et blanc. Et le revêtement, malheureusement, on l'a que en rose. Donc moi, j'aurais bien aimé avoir un revêtement qui a soit trois variantes possibles ou alors trois fois le revêtement, mais de chaque couleur qu'on a pour le skin, etc. Donc un revêtement en rose pour le skin rose, un revêtement en noir pour le skin Mecha Câlineuse de minuit. Et un revêtement en blanc-rouge pour Mecha Câlineuse Royale. D'ailleurs les gars, comme d'habitude, si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à mettre le petit code créateur Bokuni dans la boutique. Voilà, ça nous aiderait énormément. Merci à ceux qui le feront. Donc voilà, on fait accepter directement. Je vous laisse directement avec le gameplay du skin, de son ensemble, etc. Si vous avez aimé et apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. À plus et à la prochaine.